Metal Gear Solid, très très heureux de pouvoir commenter ça avec vous. C'est un des gros gros runs de ce marathon. Je suis avec H1 à mes côtés. Tu veux qu'on se tire l'oreille? Oh, je veux bien. Très bien, très bien. En effet, bravo à vous. Hein. Les 20 000 ont été bourrés. Le jeu sera bien en français. Ça va être rené par Il Pazzo qu'on va voir à l'écran, qui va se détendre. Ça va? Ça va. Merci. Et vous? Chaud, chaud, chaud. Il Pazzo qui est record du monde sur cette catégorie. On va jouer à Metal Gear Solid en Easy All Bosses sur la version intégrale, une version qui est sortie sur PC en 2000. En 2000, c'est ça. Et pourquoi on y joue? Parce qu'elle a beaucoup de bugs et on va pouvoir le constater. C'est clair. Et ça va être assez excellent. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose ou est-ce qu'on rentre direct dans l'art du truc du truc? On peut rentrer dans l'art du truc du truc. Allez, allez. En français, donc, on va faire un beau décompte. 5, 4, 3, 2, 1... Let's go, c'est parti. Alors oui, on est sur Metal Gear Solid, qui est un jeu d'action infiltration fait par Monsieur Kojima. On adore. Oui, on l'adore. Et du coup, on est en mode easy, qui nous permet plein de choses. Et je vais en profiter parce qu'on a une petite phase d'attente avec les alertes. Pourquoi on run sur la version classique et pas la nouvelle Master Collection? Parce que la version classique de 2000, c'est une version qui est complètement cassée et il faut savoir que Pazzo va alterner entre jouer à la manette et au clavier parce qu'on a des hotkeys au niveau des armes qui nous permettent des bugs. Tout à fait, ouais, le clavier notamment qui permet d'équiper directement une arme et ça c'est pas possible sur console, enfin une arme spécifique. Alors qu'on voit que, bon, bah, visiblement, Pazzo a un peu de mal à jouer au jeu parce qu'il y a beaucoup d'alertes, mais en fait c'est volontaire, c'est tout à fait. En gros, ici on a 2 minutes 30 à attendre avant que l'ascenseur arrive pour qu'on puisse s'extraire des docks. Et en fait, déclencher beaucoup d'alertes, ça va optimiser la suite de la run car en effet, plus tard on doit trouver, on en reparlera, un objet qui s'appelle la palki qui est un peu essentiel pour la fin du jeu. C'est une clé qu'on va utiliser pour désactiver entre guillemets Metal Gear Rex. Et s'il y a plus de 10 alertes qui ont été faites jusqu'au moment où on doit trouver cette palki, ben, au lieu de poursuivre un rat dans les égouts, on va juste devoir trouver cette palki dans un de sept endroits prédéfinis plutôt que devoir courser le rat, donc c'est mieux. C'est ça. Même si ça se passe mal, ça peut être lent aussi, mais bon, on en reparlera plus tard. Mais oui, alors petite précision, les voix françaises, il faut savoir que c'est pas les voix, enfin la VF appliquée au jeu n'est pas officielle, c'est un patch. Donc, petite précision, on ne pourra pas laisser les codecs et les cutscenes, sinon le jeu plante malheureusement. Mais vous aurez quand même droit à quelques dialogues iconiques. C'est ça. Voilà, elle ne sera pas une bleue, sachez-le. D'ailleurs, en régie, n'hésitez pas à monter un peu le son du jeu, quoi, vu que ça sera évidemment iconique et nanardesque. Et je pense que le public a toutes les refs de toute façon. Bien entendu. Ah, ouais, ouais, ouais. Donc voilà, l'évasion qui va se terminer. Et l'ascenseur va arriver. Là aussi, il y a des petites optimisations. Hein. Il y a ce garde, voilà, ce garde qui va arriver de l'ascenseur. On peut tenter, voilà, on va frapper le mur à la droite pour un petit peu, bah, justement, directement capter son attention vers la droite. On peut même tenter une petite dinguerie pour gagner quelques frames. On va voir. Il va le faire. On va voir. Attention, oui, une petite tape. Ah, il y a l'alerte. Bravo. C'est bon. L'alerte en plus et en plus, on monte quand même. C'est très bien joué. Bravo. Donc là, on va arriver à l'hélipad. Donc, une seconde zone du jeu. Donc là, on va récupérer la première arme du jeu, qui est la chaff grenade. Et il faut savoir que Pazzo va beaucoup la garder en main, parce que quand Snake a une grenade dans les mains, il se déplace 20% plus rapidement, en fait. Exactement. Et voilà, on n'ira pas en haut, on va directement prendre la ventilation du bas pour arriver au hangar des tanks, un petit peu le premier gros lobby où il se passe pas mal de choses, et on a des ascenseurs. D'ailleurs, les ascenseurs, ça va être intéressant d'en parler. Parce que on va voir si notre runner est à l'aise. Il y a moyen d'accélérer les sorties des ascenseurs. Sauf que si on se rate, le jeu peut planter. Le jeu peut planter. C'est, voilà. c'est ce qu'on appelle le super shuffle. On va voir si le runner se sent de le tenter. D'un point de vue scénario, on joue Solid Snake, hein, qui travaille pour Foxhound. Tout simplement, il y a un groupe d'ennemis qui a pris en otage une base et puis qui a une arme nucléaire qui est le Metal Gear, et tout simplement notre mission c'est de les arrêter. Exactement, alors que magnifique petit rat, bon, c'est un petit moment de quoi, c'est la tranquillité avant la tempête, on va dire. Là ça va commencer, donc Pazzo va lancer une chaff grenade très précisément pour détourner l'attention d'un garde qui s'approche de nous, justement pour pouvoir prendre l'ascenseur directement. Et les ascenseurs, il y a une petite mécanique qui est autre, c'est qu'ils sont RNG, on peut avoir ce qu'on appelle les fast elevators, c'est-à-dire qu'ils sont tout de suite à notre étage. Ok, il a fait tranquille cet ascenseur.
un petit call ici de codec qu'on peut ignorer. Et on va se diriger vers, alors, on rappelle, c'est All Bosses. Ce qu'on va faire là, c'est pas vraiment un boss. C'est même pas obligatoire, ce premier mini-boss qui est une succession de combats contre des gardes. Mais en fait, si on fait pas ceci, ça skipperait plusieurs boss. Ouais. Donc, du coup, on est obligé de le faire. La INI pour 100, concrètement, vous restez dans les cellules et en fait vous OOB, vous arrivez, vous skippez au moins tous les boss. Donc là, la All Bosses, ce qui est bien, c'est qu'on va voir vraiment tous les boss du jeu. Exactement, qui vont se faire atomiser. Et ça rend la run très 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 intéressante. Exactement. Donc le chef du DARPA, hein, qu'on rencontre dans sa cellule, hein, qui meurt malheureusement d'une crise cardiaque. Donald Anderson is dead et ça va être la première apparition, bien entendu, de Meryl. Donc bah là, il y a un boss qui se fait attaquer, qu'on entend. Qui est très connu dans la série, hein, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ration récupérée. On aurait presque eu le temps, mais on aura du temps pour les dons plus tard. Ne vous inquiétez pas. Même si la run est assez dense. Donc là, petit combat obligatoire hein, avec des soldats. Donc chaque soldat prend 3 balles. Il faut savoir que Pazzo, là, il va gérer un peu ses munitions. Pour pas se retrouver à zéro, et à chaque vague de soldats, on va se retrouver avec des munitions qui drop. Magnifique tir de Meryl. Hein. Précision chirurgicale. Et ouais, en effet, on va se placer là, 3 coups, on essaie d'optimiser, ouais, justement, parce que niveau munitions, il y a une boîte qui sort à chaque fois, mais on a envie, bien entendu, de conserver un nombre adéquat. Bah, tout simplement, on va essayer d'éviter de se retrouver à zéro. Donc, petite grenade, hein, Pazzo, là où il est situé, c'est un safe spot, hein, il se fait pas toucher. Vous pouvez constater que Meryl, par contre, est invincible. Hein. Et c'est clean passé sans aucun problème. Et bah, mine de rien, on avance et notre prochaine destination, c'est justement le premier boss. Revolver Ocelot. Mais avant ça, ouais, on va se stuffer encore, on va récupérer de nouvelles... armes. Alors va-t-il tenter? Ah oui. Alors ça marche. Oh, ok. Il a un petit peu marché. On a vu que Snake était sorti de l'ascenseur avant l'animation. C'est ce qu'on appelle le super shuffle. Comment on fait un shuffle? Ben, en fait, pas tout simplement grâce au clavier, il va avec les hotkeys, il va switcher très rapidement d'armes. Et Snake a un bug d'animation et ça le permet un peu. Attention, le boost C4, ne vous inquiétez pas, c'est réalisé par un professionnel. C'est ça. On prend pas de dégâts et ça permet d'être éjecté plus vite, tout simplement vers la prochaine salle. Premier boss, Ocelot. Donc, il y a plusieurs strats. Laquelle va-t-il tenter? Il va tenter la grenade qui est la très précise. La grenade, en effet, les deux grenades bien placées. Sans souci, normalement, on le fait au Stockholm, hein, bien entendu, ce boss. C'est parfait. Paf, la pastèque. Bravo. Il faut savoir que c'est très dangereux cette strat parce que si Pazzo s'avance trop, il va toucher le piège et c'est le game over instantané. Hein. Oui. Et bah, comme on vous le disait, hein, cette version intégrale est truffée de bugs, de glitch. Et ouais, on va commencer à en voir beaucoup. Assez vite. Et beaucoup, en effet. Ah voilà, le petit run à la chaffe pour aller plus vite. On a renversé le garde. Parfait. Donc on retourne dans le tank hangar. Et on va aller se rendre au prochain boss qui est tout près. Et on va voir un autre glitch qui s'appelle le Vein Glitch, c'est-à-dire qu'on va placer Snake au niveau d'une bouche d'aération à peu près au niveau du bassin, et quand Pazzo va se relever, il va tout simplement OOB, comme ceci. Tout simplement, voilà, voilà. Et on skip toute la salle de laser ici, on est censé rappeler Meryl et compagnie, et là tout simplement, bah, on va se rendre au prochain boss. Tout à fait, le tank donc dans la neige, ici le canyon entre guillemets. Donc on esquive le call qui nous informe des mines, des clés morts posées, on connaît la route, il n'y a pas de souci, on évite les mines. On va balancer une chaffe en ouverture de combat pour désactiver la tourelle, qui serait problématique et qui nous poserait moult soucis. Et on va tout simplement, encore une fois, timer des grenades comme il se doit. Si elles sont bien placées, ces grenades, normalement c'est du tout shot, voilà, dans la trappe. Paf. Allez, on récupère, on en profite, voilà. Pour récupérer des missions, ces chefs grenades sont extrêmement précieuses. Petite cutscene demi-combat. Et c'est parfait. Nickel. Ah, le nuke building. Salle très très dangereuse. Alors, il faut savoir que dans le nuke building, on n'est pas censé avoir d'armes à la main. Oui. Et Pazzo, il va un petit peu tricher. Il va pouvoir garder une arme. Tout à fait. En laissant appuyer sur le bouton de changement entre guillemets d'armes, il la garde alors qu'il ne devrait pas en avoir. Cependant, s'il déclenche une alerte, c'est game over systématiquement, vu qu'on était censé être discret ici.
Là, on va le faire safe. On verra plus tard si on fait des petites strates alternatives plus tard pour ce garde-là. Mais là, on pouvait pas. Et c'est passé. Et mine de rien, bah voilà, on va direction le premier sous-sol pour aller chercher une nouvelle arme. C'est le Nikita, le fameux lance-patate téléguidé. Donc il se trouve juste ici. Parce qu'on va en avoir besoin pour détruire un transformateur. Donc va-t-il tenter le super shuffle en sortie de l'ascenseur? On y met un petit peu la pression, hein, on veut... Ouais, en fait, les super shuffle, là, on vous a surtout parlé de son application pour optimiser les sorties d'ascenseur et prendre quelques mètres d'avance. Il est parfait. Il est parfait. Mais surtout aussi, il va nous permettre de sauter pas mal de cutscenes à certains moments et de vraiment gagner du temps conséquent. Des fois, en devant appliquer des angles très très précis pour sortir des pièces avant des activations de cutscenes. Allez, c'est parti. Le petit routing du missile sans se faire blaster par les caméras mitraillettes. Ouais, parce que si le missile est détruit, c'est une sacrée perte de temps quand même. Hein. Oui. Allez, c'est bon. Donc du coup, on a coupé le plancher électrifié. Donc là, on va récupérer le FAMAS, normalement, qui va nous servir pour le prochain boss. Hein. Décidément, les boss sont très proches dans ce jeu. Ah, ça s'enchaîne, ouais. Donc, voilà, il va faire un petit shuffle. Vous voyez, le petit shuffle, ça le permet d'avancer, de faire continuer à avancer Snake dans les cutscenes. Et là, on peut voir qu'il y a un carnage dans le couloir. Et là, ouais, ça va être très, très technique. Grey Fox, c'est un peu un moment, comment dire, assez phare du run. Ouais. Beaucoup de glitch entre guillemets. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de skipper toutes les phases de transition et des cutscenes où il parle de boss et de vraiment l'infiniser avec des mouvements extrêmement précis. Alors, il faut savoir que c'est une strat qui a été trouvée récemment par Pazzo lui-même et un autre runner italien qui est Tromboxino. On va essayer d'infiniser le ninja. Ici même, ouais, hop, les balles de Stockholm. C'est pas passé, malheureusement. Ouais, on était censé skipper cette cutscene, mais c'est pas grave, hein, Pazzo a des backups. Hein. Vous avez affaire. C'est un très très grand joueur de Metal Gear. Et en fait, avec les frames d'invulnérabilité de Grey Fox, c'est assez compliqué de le toucher très vite parce qu'il a tendance à beaucoup bouger dans la salle, à se téléporter au bout d'un moment. On manipule un peu son mouvement. C'est ça. On va essayer de le mettre dans le coin. Il le manipule. Ah, voilà la fameuse chop. Là, on est pas mal. Donc, vous voyez, hein, le ninja est complètement paralysé dans ce coin de la pièce. Hein. Là, Pazzo le manipule vraiment, le fait rentrer dans un loop infini. C'est pas mal exécuté. C'est nickel, ouais. Alors ça aurait été encore plus expéditif, évidemment, si pour l'instant t'es passé, mais en tout cas, pour l'instant, pas de soucis, c'est propre. Le boss est compliqué, hein. En speedrun, pour avoir essayé, c'est très 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 compliqué. Hein. Ça paraît pas comme ça, mais vraiment, c'est... Comme souvent, ouais. Donc la dernière phase, hein, il va rentrer un peu dans une forme de rage. On va tout simplement y tirer dessus au Socom trois fois. Quand le champ magnétique est réduit. Téléporte à des points, ouais. Prédéfini. Et fin du combat. Nickel. Qui s'est plutôt bien passé, hein. La strat est très 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 dure, surtout devant des gens en live, c'est compliqué. Tout à fait, c'est passé. Et on va déjà se diriger vers notre prochain boss. On a quelques petits détours vite fait à faire pour récupérer deux. Nouvelle chose, en l'occurrence, la boîte en carton, figurez-vous, va avoir son utilité. C'est dans ce vrai. Et aussi les stun grenades, les grenades incapacitantes aussi, qui sont très pratiques, évidemment, pour justement paralyser, mettre un peu en état de stase certains ennemis ou parfois même certains amis. On va voir que ça va être très utile. C'est vrai. Voilà, 6 stun grenades récupérées, nickel. On a largement assez d'oxygène pour passer, pas de panique. Alors c'est vrai que Metal Gear Solid, si vous vous souvenez bien, c'est un jeu qui avait beaucoup de backtracking, hein, on aimait bien à l'époque, hein, parce que le jeu date de 98 à la base. Donc là, je l'entends tenter le super shuffle. Ouais. Et ça passe, magnifique. Vous avez bien vu, on est passé bien en avance. La petite boîte, la voilà. Et là, en fait, le soldat, c'est Meryl, hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'alerte. Et la musique iconique de Psycho Mantis qui débarque. Ok, c'est parti. Je connais mieux cet endroit que toi. J'ouvre la route. Tu me suis.
comédien de doublage très impliqué. Il n'y a pas de garde. Et encore, Meryl, ça va. Moi, ce qui m'avait choqué, c'est vraiment ce colonel qui a vraiment une voix extrêmement burnée par rapport à Snake. Je trouvais ça un petit peu bizarre. Psychomantis aussi est pas mal. Oui, et magistral. On l'entendra un petit peu. Et là, il va se passer beaucoup de choses. On va essayer de... Voilà. On va jeter Meryl par terre. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Pour faire un shuffle qui a été fait pour skipper une cutscene. Et on va rejeter Meryl à l'entrée ici et se placer à l'endroit opportun. Ouais, sinon, Meryl met énormément de temps à rentrer dans la salle. Exactement. Oui, bon, quand même. Et voilà, et on se place ici. Comme ça, ça va vite faire apparaître Psycho Mantis. Et c'est le début du combat. Et donc, vous le savez que sur console, ouais, on switchait de manette. Ouais. À l'époque, c'était la grande mécanique. Mais là, on peut passer au clavier, hein, tout simplement, ce qui n'était pas possible. Etc. Et là, ouais, c'est des déplacements et des tirs précis, clairement, pour le manipuler. Et on fait tomber Meryl tout de suite avec une stun. C'est ça. Alors à 7 tirs à bien placer, et ce n'est pas tout, hein, parce qu'il va quand même falloir continuer à micromanager Meryl. Donc là, en fait, Pazzo se sert de la vue subjective, parce qu'à ce moment-là du jeu, on ne voit pas à travers les yeux de Snake, mais à travers de oui. Psycho Mantis. Donc ça lui permet de savoir où se situe le boss. Et il va tenter de jeter une grenade afin de skipper une phase. C'est un peu compliqué. La grenade est très compliquée à placer. C'est fauteuil. Si la grenade est bien lancée, en fait, Meryl tombe tout de suite. Va se relever et retomber immédiatement. Et voilà, bien joué. La grenade est extrêmement précise. On se rend pas compte, mais elle est extrêmement précise parce que si elle lui fait pas assez de dégâts, ça ne marche pas. Ça permet de skipper toute une phase justement où il se cache, où il se téléporte et compagnie. Ce n'est pas possible. Magnifique VF, effectivement. Donc la phase 2. Et on va le finir tout simplement au FAMAS. Voilà. On va le battre grâce au pouvoir de la diplomatie. Magnifique. Ça se passe assez bien quand même. Hein. Alors, ouais, très très bien. Donc on va arriver dans les grottes, hein, ce qu'on appelle la cave. Et on va voir que le carton qu'on a récupéré au préalable, qui paraît être un objet anodin, il va avoir son utilité parce que vous allez commencer à avoir d'autres OOB. Et il faut savoir que ces OOB-là, ils sont extrêmement précis parce que Pazzo va se diriger à l'aveugle et il va compter le nombre de pas que Snake fait. Voilà, comme ceci, avec le Venglitch et le carton. Et il va shuffle pour atteindre la prochaine zone et skipper la cutscene. Enfin, il va plutôt se déplacer pendant la cutscene. On le voit, il shuffle. Permettez de skipper un dialogue de 10 secondes de Meryl. Je vais continuer alors, à ah oui, alors ça c'est incroyable. Alors, moment le plus technique, je vais vous demander un peu de silence. Voilà, exactement. Donc vous le rappelez évidemment, en fait tout cet endroit est miné. Et du coup Meryl, il y a cette cutscene où elle va nous montrer le chemin. Et évidemment, grâce à ses empreintes de pas, on va pouvoir safeiser ceci. C'est blindé de mine. Et si Pazzo, il fait un tout petit pas sur le côté, il va perdre énormément de vie, on ne veut absolument pas ça. Donc vraiment, on va demander du silence et nous, on va peut-être se taire aussi. Vous voyez, hein, le chemin, c'est... bon, voilà, c'est assez technique, mais... On va voir s'il va réussir du premier coup. Et c'est long en plus. T'en penses quoi? Pas mal, hein? Pas mal, en effet, Meryl. Merci pour tous ces efforts. Attention. Mais quand Mantis rôdait dans mes pensées, j'ai pu lire l'emplacement des mines. Ah bah, c'était pas pour rien, alors. Non, non. Ça nous a servi pour un truc, ouais. Un peu seulement. Donc va-t-il réussir? C'est vraiment compliqué là. S'il rate, c'est potentiellement un reset. Ouais. Attention. Et ça passe. C'est parfait. Bravo. En vrai, il faut savoir que s'il va tout droit, ça sert à rien de suivre les pas de Meryl, effectivement. Allez, Sniper Wolf, bah non, on peut pas. Et non, Meryl s'est fait toucher par une snipeuse, un Sniper oui. Wolf, et du coup, on n'a pas l'arme, on n'a pas encore le fusil sniper, donc bah, comme je vous ai dit, hein, MGS aime bien le backtracking, et on doit retourner à l'armorerie qu'on a vue au début du jeu. Pour chercher l'arme qui est la plus cassée de ce speedrun, une pièce maîtresse, c'est le sniper, le PSG-1. Le PSG-1, au lieu de nous, enfin, au-delà de nous permettre de combattre Sniper Wolf, va surtout déclencher deux glitches les plus fous du run, tout simplement.
les God Mode Exploit, en gros, ce qu'il faut savoir, on va l'expliquer un peu en amont. Oui. Mais quand vous, vous équipez le sniper, eh bien, du coup, Snake s'allonge et enfin, se met en première personne. Et en gros, si vous, grâce à la version PC, vu qu'on peut avoir des hotkeys, des touches qui nous permettent directement de passer à une autre arme, eh bien, si on change d'arme alors qu'on est dans l'animation où Snake s'accroupit, eh bien, en fait, Snake devient tout simplement invincible. C'est et les propriétés de sa hitbox changent également. Et il y a le deuxième GMI où là on va complètement désactiver tous les triggers du jeu. Exactement. C'est-à-dire on va plus charger les salles suivantes ni rien. Et on va, bah c'est grâce à ça qu'on pourra faire aussi des OOB. Donc ouais, là on a vu le jeu pas mal se faire martyriser, mais ce n'était que le début, ça va être pire à partir de maintenant. Donc le canyon a toujours une ligne extrêmement précise hein, parce qu'on a toujours nos mines hein, qui sont placées. On va faire un tout petit décalage normalement. Il connaît la route, c'est un professionnel. Ah. El famoso backtracking, bien sûr. Donc bah là, les lasers sont désactivés, on peut y aller tranquillement. Donc l'ascenseur est-il fast ? Non. Oui, ça aussi, c'est la RNG. Il va retenter un super shuffle. Donc là, il va lancer une chape grenade hein, pour maintenir l'ascenseur ouvert. Le PSG est là. On va attendre que la porte, voilà, que ça parte et que la porte se ferme. Mais en gros, l'idée, c'est qu'on soit en phase d'évasion. Si on partait trop tôt de cette salle, on redéclenchait une alerte. Et du coup, évidemment, c'était du temps perdu. Et ça a permis tout ça aussi de laisser l'ascenseur ouvert. Ben, c'est ça, c'est ce que j'expliquais avant. Et effectivement, ça a un gain de temps parce que du coup, on n'a plus la RNG de l'ascenseur. Bien vu, bien vu. Et du coup, bon, on va revenir affronter Sniper Wolf cette fois-ci, hein, donc bah, on refait tout le trajet. Et on va repasser par le fameux nuke building hein, qui est assez dangereux. Allez, on va voir si on va se permettre le left shaft nuke à nouveau. Donc en gros, vous avez vu cette salle justement où on avait un peu triché et gardé notre arme et battu un garde. Et ben, il y a une strat qui a été trouvée, et justement par Ipazzo et le runner aussi italien, me semble-t-il. Je pense, oui. Alors, il faut savoir que c'est une strat qui était TAS à la base, oui. Et qu'ils ont trouvé le moyen de faire à la manette et au clavier, on peut dire. C'était finalement humainement possible. Et il va la faire, je pense, parce que là, il a la chef équipée. Si on balance vraiment précisément à droite du garde et qu'elle s'explose comme il faut. Et c'est parfait, voilà, il a réussi. Nickel. Magnifique hein, pour l'instant. Très, très bon. Et donc, on arrive dans les caves. Hein. Bon, alors voilà, les caves, on a vu que c'était pénible, mais on avait l'OB. Mais ouais, à partir de maintenant, comme vous l'avez dit, on va avoir le God Mode Exploit 1 et 2 grâce au sniper. Et donc, du coup, on va commencer à faire un peu des téléportations. Vous connaissez peut-être ça dans les jeux Sonic, ce qu'on appelle les screen wraps. On sort en bas, mais du coup, on boucle et on se retrouve en haut. On est un peu dans ce genre d'idée. Mais ça reste précis et surtout, il faut sortir du glitch au bon moment. Si on sort au mauvais endroit, bah, on peut potentiellement softlock, bien sûr. Donc là, grâce au God Mode 2, on a réussi à OB. Et on va avoir Sniper Wolf, hein, le premier combat contre elle. Et il faut savoir que Sniper Wolf, c'est un peu le boss préféré de tous les speedrunners de Metal Gear Solid. C'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout RNG, ce qui est faux, elle est totalement RNG. Ouais, très très pénible. Ses mouvements sont parfois imprévisibles. Même si là, elle a l'air de squatter le même endroit et on leur remercie. Et c'est plutôt pas mal parce que ouais, quand elle se cache derrière le pylône, elle met du temps à réapparaître. Ah, elle veut vraiment pas bouger, hein, strictement bah, pas. C'est parfait. Bien, très bien. Il doit être content, le runner, d'avoir une bonne RNG. Là. Alors, il faut savoir que Pazzo a énormément alterné. Ah, et c'est reparti ouais. Pour du GMI 2. Attention, on est en bas. Et on va arriver de l'autre côté. Ah, un peu plus haut, mais c'est... Voilà, du coup, il se passe des choses. Il s'en va. Bon. Et bah, c'est nickel. Et là, on s'est fait capturer, du coup, dans le scénario. Et on va avoir la phase de torture hein, qui est censée décider de la fin du jeu, à savoir, est-ce qu'on résiste à la torture et on sauve Meryl ou est-ce qu'on se soumet à la torture et du coup... Bah Meryl, malheureusement, ça va être au revoir. Là, dans le cadre du speedrun, Meryl... Ouais, c'est 2 minutes 30, 30 3 minutes de gagné, hélas. Donc oui, bah, ça sera avec Otacon qu'on aura un date à la fin et non avec Meryl. Et là, on va être sur une phase un peu lente qu'on pourra expliquer après, où Johnny part aux toilettes. On a peut-être le temps de lire quelques dons à l'ambiançage. Si vous nous entendez, vous pouvez y aller. Tout à fait. Alors, on a reçu... Allô ? Oui. Allô, on a reçu un don de 500 euros de Enidran. Encore bravo pour l'Orga et au Renard. 500 boulas. 500 balles, merci beaucoup. 10 euros de Capitaine Adodo qui fait. Attends, le public va le faire avec.
Snake ? Snake ? Snake ! Bravo. Incroyable. Un don de 10 euros de Drawcaster qui dit, pour DS3 et pour Chemist qui s'entraîne depuis 3 jours, il est trop fort, make it more difficult. On a 600 boules de la part de Vince, je vais pas pouvoir trop regarder le live cette année donc je pré-shot. Bah, c'est un sacré pré-shot, merci beaucoup Vince. Merci. On a également un don de 400 euros de Tyralite qui dit, parce que Dark Souls 3 est trop simple pour le Chemist, des bisous à toute l'orga de Spidon et au vieux monsieur, bourrez les dons. 100 balles de la part de Bringou, c'est sûrement des rats. Alors, de nouveau, public assistante, s'il vous plaît. 10 euros de Sunfreeze qui dit Snake. Réponds Snake. 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 Tu vas y en avoir 10 000 comme ça. On a 20 balles de Otakon qui dit Snake. On a 20 balles de Gadel Mazouz qui dit merci pour ce Metal Gear Solid en français du plaisir. Bon speedon à tous, plus petit que 3. Merci beaucoup. Merci. Et donc on enchaîne. Donc voilà, cette phase. Il y a une petite optimisation quand même rigolote. C'est vraiment une histoire de quelques frames à gagner. Mais il tapait sur les murs de temps en temps. Il Pazzo, c'était pour interrompre, anticiper l'éternuement de Johnny. Et au lieu de ça, il vous dit arrête, machin. Et ça vous fait gagner un petit peu de temps. C'est bon, là, il a envie d'aller faire caca. Ça rappelle le don qu'Antoine a lu tout à l'heure. Et bon, bah là, on patiente encore un petit peu pour l'arrivée, bien entendu. Ouais. D'Otakon. Oui. Ouais, tout simplement, on attend l'arrivée d'Otakon qui va nous aider à sortir grâce à une bouteille de ketchup. Oui, exactement. On va pouvoir s'évader grâce à une bouteille de ketchup. Et oui, tromper la vigilance de Johnny, il nous donnera également la clé de niveau 6 pour continuer. Évidemment, vous savez, Metal Gear, c'est souvent ça. C'est une arborescence de clés qui augmente au fur et à mesure pour accéder à de nouveaux endroits. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est la sortie de cette pièce où on va encore devoir faire un shuffle. Exactement. Qui va être très précis. Il va falloir sortir avec la bonne ligne. Ça permettra d'éviter la petite scène où Snake se rechange en Solid Snake équipé derrière. Et si on l'exécute bien, eh bien, on va skipper ceci. Donc là, Johnny, il pense qu'on est mort. Donc il va s'inquiéter. Il réfléchit pas trop. Il va ouvrir la cellule directement. Donc là, malheureusement, il est mort. Tout à fait, choked to death. Et c'est ici que ça se passe. Hop là, on chauffe pour les boutons, on a le bon anglais, on sort. Oh, nickel. Et du coup, on va se rendre. On va devoir aller chercher les tours de communication. Oui. Donc on va devoir retraverser. On va devoir retourner là où on a combattu Sniper Wolf. Hein, donc on va retraverser le canyon, la salle de combat de Mantis. C'était un moyen de rallonger la durée de vie du jeu. Et je pense qu'on peut lire encore quelques noms avant d'arriver à la grande ascension. Exactement, ouais. Vous pouvez, si vous voulez, à l'ambiançage. Tout à fait. Alors, on a reçu des dons de... On a 500 euros de A. Merci beaucoup. Bravo. Pas de message, merci. A. Il y a également un don de 100 euros de... J'arrive pas à lire le pseudo. Wolverine Roller Record. Désolé, mais merci pour les 100 balles. Et don anonyme de 100 euros qui dit bravo pour cette Zlan. 100 balles et on a 5 euros de la part de Adada en train de préparer nos pizzas maison pour Pizza Tower. J'ai envie de pizza maintenant, c'est terrible. Ça va arriver très vite. On a 50 euros de monsieur HK qui dit « Je suis un développeur indépendant de jeux vidéo et la saga Metal Gear est une grande inspiration dans mon travail. Merci pour cette superbe run. » 300 balles de anonyme qui décidément ne s'arrête plus. 100 balles de la part de Trim, 100 balles de la part d'Oyashirox, 100 balles de la part de Wampa. C'est l'heure de speedrunner comme tous les ans. Il y a Jean-François C qui nous envoie 5,5 euros en disant le prix d'un pain au chocolat pour les médecins, bien sûr. Ou une chocolatine. Et 100 balles de la part de Jembag, la bise de la Suisse. 25 euros de Campbell qui dit Spidon, tu me reçois ? Spidon ! Merci beaucoup. On est de retour aux cavernes avec encore, vous l'avez vu, le GME2. Et du coup, on va enfin pouvoir voir ce qui se passait derrière cette fameuse porte plus tard, après. Donc, on va se rendre dans les tours de communication. Donc, je vais commencer peut-être à expliquer un peu en amont, parce qu'on va avoir le droit à un glitch qui est assez célèbre dans la communauté de speedrun de Metal Gear Solid. On va faire ce qu'on appelle le Boba Skip. Le Boba Skip, pour la petite histoire, c'est un glitch qui a été trouvé par une streameuse au hasard qui découvrait le jeu, hein, qui faisait le jeu comme tout le monde. Donc là, Pazzo, il va lancer une grenade pour éviter une cutscene. Et en fait, le Boba Skip, il faut savoir que Snake, quand il se fait toucher, il a deux animations. Il a une animation où il va avoir un petit mouvement de recul qui est tout petit. Il a une deuxième animation de recul où il va vraiment extrêmement en arrière. Et il faut savoir que le Boba Skip, on va se coller le long de la porte gelée. On n'est pas censé y accéder. On va aligner, on va prendre un angle très précis. Et il faut savoir que c'est RNG, malheureusement. Si Snake a le mouvement de recul le plus ample,
il va tout simplement passer à travers la porte. Le jeu va considérer qu'on a ouvert la porte et qu'on est passé à travers. Ah, c'était rigolo, ça avait bien buzzé quand c'était sorti. Ouais. Ça avait complètement relancé. Accidentel, ouais. Ça avait révolutionné le speedrun. Du coup. Donc la salle RNG, une chance sur deux, on espère, en effet. Et ouais, c'est passé, pas mal, bravo. Pas mal. Deuxième try. Donc le Boba Skip, hein, c'est plus d'une minute de gagner, j'ai envie de dire, hein, si ce n'est plus. C'est parce qu'on va éviter toute la zone de rappel, hein, la séquence de rappel hein, qui est très très longue. Et on va pas tarder à s'approcher du prochain boss qui est le IND, comme on peut l'entendre. Ouais, des munitions de Stinger qui vont être très utiles. Donc là, on est obligé de descendre pour déclencher une cutscene, sinon on est bloqué par des boîtes en carton. Et oui, en effet, un des pires ennemis de Snake, les trous dans les escaliers, visiblement. Mais oui, c'est nécessaire pour pouvoir avoir accès en haut. Et on va s'approcher ouais, de ce combat iconique contre le IND. Bon sang. Donc ouais, là on va devoir gravir la tour pour monter tout en haut et affronter l'hélicoptère hein, qui est piloté par le chef des terroristes. Donc là c'est une phase un petit peu longue, hein. on doit gravir tout en haut. Et, on aimait bien les escaliers à l'époque, hein, un peu comme FF7. Tout à fait, je m'en souviens l'année dernière, Incentive était passé. Donc il a shuffle quand même pour un petit peu s'avancer, c'est toujours petit. Oui. Donc là on est passé en GMI1 hein, parce que dans les escaliers on a énormément de caméras équipées de tourelles, hein, de mitraillettes. Et là on peut voir que Snake se fait pas toucher. Hein. Tout simplement, voilà. Extrêmement pratique, on le rappelle. Hein, donc juste en interrompant l'animation de Snake qui passe en vue sniper, on est invincible jusqu'à ce qu'on le désactive. Donc là ouais, c'est clair. En plus on voit qu'on a que 3 chaffes grenades, on n'a clairement pas envie de les claquer là-dedans. Et c'est surtout que alors le GMI, le God Mode, il va nous servir parce que le combat contre le Indy, bah c'est pareil, on va tout oui. simplement être invincible et on va pouvoir anticiper ses mouvements afin d'optimiser nos tirs. Et on va y arriver, le Indy qui va être juste derrière cette porte. Ouais, on a laissé la caisse de munitions là en espérant que ça se passe bien. Il y en aura des caisses de munitions ici aussi sur le toit, mais qui apparaissent à des endroits aléatoires, sauf si on manipule et qu'on reste au même endroit. Alors c'est parti pour le Stinger. Donc ça, c'est vraiment un combat de connaissance parce qu'on va essayer de l'avoir au jugé, hein, d'anticiper les mouvements. On va limite le pré-shot hein, même. Ouais, c'est hein. ça. Ouais. Donc ce qu'on n'espère pas, hein, c'est qu'il passe, qu'il aille se cacher. Hein. Il peut aller se cacher. Ouais, il se perd énormément de temps. C'est ça. Donc 6 tirs pour passer en phase 2. Hein. Au bout d'un moment, il va nous lancer des roquettes. Et nous sommes invincibles, alléluia. Et là on va rester là parce que c'est un spot. Non ouais là c'est bon, on est large donc on le prend juste, on va pas rester ici pour l'instant. Et les munitions vont apparaître ici. Hein. S'ils se retrouvent à zéro, il faut savoir que le jeu va toujours nous faire dropper des munitions de Stinger, hein. Il va pas nous laisser coincer. Exactement. Voilà, ici, la pas phase de 2. Nous sommes invincibles. Et oui là on attend tout simplement qu'il soit touchable à nouveau. Et il se place ici, comme ça il va tout le temps récupérer les munitions instantanément. Exactement. Donc il va anticiper ses déplacements. Ouais, faut le bourrer pour qu'il passe pas sous le bâtiment, hein, faut voir. On peut voir qu'il attend même pas le lock, hein, parce que le Stinger, si vous pouvez locker les ennemis. Hein. Donc là c'est parfait, il bouge pas trop en plus. Pour l'instant il est plutôt coopératif en effet. Un peu comme Sniper Wolf l'a été tout à l'heure. C'est vrai. Ma foi, j'ai l'impression que ça devrait le faire. C'est le coquin. Elles ont droppé ailleurs. Ah oui, terrible. Donc normalement, ils auraient dû être là où Pazzo il était situé. Ah, il s'en va. Ah, là, au dernier coup, c'était... Voilà, c'était ça qu'on voulait éviter, c'est qu'il aille se cacher comme ça. Ah, c'est juste cet happening, ouais, peut-être un décalé un petit peu, c'est pour ça que c'est pas méchant la boîte de munitions est partie. Oui, ça n'a pas de conséquence. Ouais. C'était pas dramatique. Nice. Donc là, on va devoir attendre qu'il retire. Et ouais, on s'est vidé des munitions pour avoir cette petite caisse avant de partir. Et du coup, le combat, il est fini. Et on va devoir redescendre toute la tour. Évidemment.
Mais on va peut-être pas la descendre de manière conventionnelle, je pense. Arriver à un moment. Tout à fait. Évidemment, on va faire des petites canailleries. Il faut savoir que de manière normale, vous êtes censé redescendre. Il y avait un ascenseur au milieu. Et on a un combat qui se déclenche. Là, il va se passer des choses, en fait. Hein. L'ascenseur est beaucoup trop lent pour nous. Donc là, on y va à l'achat. Enfin, selon le nombre de grenades qu'on avait, c'était bien on y va à la grenade plus chef grenade ou bien on y va en JMI, donc le bug d'invincibilité. Mais entre guillemets, pour gagner un tout petit peu de temps, la grenade, c'est mieux vu qu'on part direct, on n'a pas à setup le glitch. Et en bas des escaliers, en effet, il va se passer des petites dingues. Bon, on va faire un OB, on va le dire tout de suite, on va faire un OB, comme ça on va skipper toute la séquence d'ascenseurs où on doit combattre des soldats qui sont équipés d'un camouflage optique. Hein. Ouais. J'ai plus le nom exact en tête, je crois que c'était celui-là le nom de base. Et on va arriver aussi déjà directement au prochain boss, qui est la revanche avec Sniper Wolf. Et la phase de Sniper Wolf ici, c'est vraiment le moment que je pense pas de Zoro doute le plus parce que elle est toujours RNG, et si on a une mauvaise RNG, la perte de temps est très conséquente. Ah, il a réussi le petit flic. Oui, c'est ouais, ça. Le coup n'a pas touché. Il a gagné du temps, il est censé se faire toucher par le tir, et là, effectivement, non. Passé en première personne au bon moment, et c'est parti. Donc ce combat, entre guillemets, c'est simple. Tant qu'elle est là, il faut pré-shot ses mouvements, et c'est assez difficile. Pour la toucher au sniper, dès qu'elle est cachée, c'est le Stinger Missile. Hein, pour la faire sortir, lui mettre des dégâts. J'ai l'impression qu'elle commence à nous faire des petites farces. Ce boss-là, c'est vraiment la tueuse de PB. Hein, vraiment, ça a l'air pas trop mal. Ah, elle va se cacher, je pense. Oh, le joli pré-shot. Les tirs, on se rend pas compte comme ça, mais Pazzo gère vraiment ses tirs parce que c'est très vite facile de rater tous ses tirs. Hein. Sauf avec le Stinger, hein, forcément, elle peut pas l'éviter. Et ça s'est plutôt pas trop mal passé. Hein. Elle est très coopérative, Wolf, ce soir, hein, parce que j'ai vu des essais où... Et on va arriver au niveau de la fonderie. Et on va commencer à refaire un OB. Tout simplement, on va pas charger la zone, on va continuer à avancer. Et petit fait drôle, hein, c'est que, on verra plus tard, c'est que la lave, eh ben, elle ne fonctionne pas. On dirait du fromage. Petite anecdote aussi, à la fin du combat de Sniper Wolf, on a deux là, on avait également fait un super shuffle pour skipper la cutscene où Snake se soigne, etc. Donc même sur le dernier coup de Stinger, on a encore optimisé la sortie de combat. Là aussi, très très bonne optimisation, on a posé une C4 par terre pour éliminer, le garde proche, et on a tué les autres Stingers, donc ça a été très expéditif. Et il faut savoir, cette strat s'appelle le Pazzo Delivery parce que c'est lui qui l'a inventé. Et oui. Donc c'est sa strat, on s'en... Ça aurait été dommage qu'il la rate. Mais c'est extrêmement optimisé. Et on va déjà arriver quasiment déjà au prochain boss. Hein, j'ai l'impression de le dire toutes les deux minutes. Qui est Vulcaraven, qui était présent dans le tank au début du jeu. Qui est assez anecdotique hein, comme combat. Hein, il se fait très facilement. Tu veux expliquer comment on le fait ou... Bah, de toute façon, vous avez un petit peu compris la dynamique hein, de passer en God Mode Exploit en JMI pour être invincible. Et en gros, ouais, on va juste le setup avec un tir au SOCOM au début et le bourrer au Nikita. Il y a comme d'habitude, aussi une question de timing, c'est-à-dire il faut tirer les munitions au moment où il redevient vulnérable. Il y a un petit trigger visuel pour ça. C'est quand le Nikita clignote deux fois. En général, c'est le signal qu'on est bon pour mettre la prochaine roquette. Et ça va être... Ça va être en théorie assez facile. Expéditif. Ouais. C'est pas le boss le plus redouté. Donc là, niveau lore, on va parler un peu du scénario. On apprend que Naomi Hunter nous a trahis, elle a arrêté. Parce qu'il y avait toute une histoire avec le codec, malheureusement, on peut pas les voir. C'est un jeu qui est très, très, très scénarisé. Donc, Vulcaraven, c'est là où il nous raconte les Jeux Olympiques des Esquimaux. Le fameux « on se tire l'oreille ». Ah oui. Alors, on le bourre. On est en GMI, comme MV nous a expliqué. On attend les deux clignotements du Nikita. Et tout simplement, on va nous tuer comme ça. La bourrance. Peu de respect pour les boss, il est vrai. Surtout celui-là. Et Vulcan Raven, qui est le dernier rempart avant, entre guillemets, c'est parfait. La partie... Bravo. La partie avec le plus d'aller-retour, clairement. Et de petits voyages du jeu, hein, c'est tout simplement le gros hangar, la salle du Metal Gear Rex. C'est notre prochaine destination.
Donc là, ouais, le but, c'est de se rendre dans la tour de contrôle, dans la salle de contrôle plutôt. Oui. Ouais. Et on va apprendre l'existence de la Palki. Donc c'est pour ça qu'on va avoir tout un backtracking à faire. Exactement, et c'est pour ça qu'on a déclenché un maximum d'alertes, notamment pendant la première salle des docks et par la suite, pour avoir ce compteur des 10 alertes alimenté afin de... Ouais, parce que les alertes, en fait, si on respectait pas le nombre d'alertes, il faut savoir que la Palki... Alors, je vais commencer un petit peu à expliquer, mais je vais pas trop m'attarder. La Palki a plusieurs positions différentes qu'on verra au moment venu. Il faut savoir que si vous n'avez pas le bon nombre d'alertes, il faut savoir que la Palki peut être avalée par un rat qui se balade dans la salle et vous pensez bien que pour aller le tuer et récupérer la Palki, c'est extrêmement long, c'est RNG, c'est pas du tout ce qu'on veut. D'où les alertes au début du jeu. Exactement, mais de la RNG, il en restera justement vu qu'elle peut être à 7 spots différents. Et il y a 6 spots qui sont assez proches les uns des autres, mais si jamais c'est le 7ème, bah là il est très très loin et c'est 30 secondes de perdu. Enfin, la différence entre le meilleur spot et le pire, c'est à peu près ça, 30 secondes. Donc on espérera qu'il se rapproche de nous. Et puis il y a aussi des petites surprises, hein. On peut se retrouver avec la bombe dont il faut se débarrasser. C'est vrai. Et trucs pénibles dans cette flotte. Donc la Palki, hein, pour vous expliquer un peu le backtracking, la Palki, il faut savoir que dans le scénario, c'est une clé qui est thermomodifiable, hein, j'ai envie de dire. En fonction de la température, hein, elle va avoir un autre code, elle va être modifiée. Et dans la salle de contrôle, on a 3 ordinateurs à activer dans le scénario. Et du coup, on va devoir l'activer une première fois, la refroidir, la réchauffer, bref. Donc on va aller chercher la Palki dans le caniveau. Donc on redescend tout le hangar et on va voir si Pazzo est chanceux ce soir en espérant qu'il ait la meilleure Palki. Allez, c'est parti pour les checks bientôt quand on arrive près de la flotte. Alors, premier spot, c'est les la bombe malheureusement. Direct. Ah, elle est là quand même. C'est ok. On se débarrasse de la bombe. Pazzo nous dira que c'est pas bien, mais c'est vraiment ok. Hein. Ça pouvait être pire parce que la 7, vous allez... du côté gauche du canal, vous allez revenir, ça ne va pas aller du côté droit. C'est une perte de temps énorme en fait. Et du coup, on remonte tout le hangar, hein, toujours ce fameux backtracking pour aller activer le premier ordinateur. C'est ça, ouais, les 3 ordinateurs. Un pour la Palki neutre, un pour la Palki refroidie, un pour la Palki chaude. Et on lira quelques dons quand on sera justement dans cette phase un petit peu de refroidissement et de réchauffement de la Palki en expliquant un petit peu juste quelques détails. Donc, évidemment. On va l'activer, le premier ordinateur. Vous y voilà. Oui, en sachant aussi que... Voilà, on fait du shuffle. Il faut sortir vite de cette pièce, hein, sinon si on est bloqué, c'est game over. C'est extrêmement pénible. Donc le super shuffle nous permet de sortir avant qu'on soit enfermé. Et c'est parti pour les aventures, j'ai envie de dire. C'est... oui. Là, on va devoir aller modifier la clé. Donc, si je me souviens bien, on va commencer par la... Par Vulcan Raven, pour la refroidir. Ouais, par la refroidir. Et là, je pense qu'on pourra lire des dons parce que c'est assez long. Ouais, en gros, on va vous expliquer un petit peu en amont et puis ensuite, on va laisser la main. Donc, oui, bon, le backtracking, déjà, on redescend tout. On va esquiver des caméras tourelles, récupérer des chaffes, etc. Et l'idée, en fait, donc c'est on peut le faire via un trigger musical ou juste un petit timer sur le côté. Mais en gros, ça prend 61 secondes. C'est ça. Pour, faut pas dire, la Palki dans la pièce de Raven. Donc c'est pour ça qu'on optimisera un petit peu en récupérant quelques packs de munitions quand elles sont possibles à disponibilité et dans la même pièce, surtout parce que si elles sont dans une pièce différente, et ben ça interrompt le timer des 61 secondes. Et puis il y aura une petite optimisation aussi, on utilisera un GMI2 pour sortir le plus vite possible à la frame dès que les 61 secondes seront terminées en se mettant en position allongée tout simplement. Voilà, on farme un peu et puis on va se placer tranquillement. Donc vous avez une minute pour lire des dons si vous le désirez. Parfait. Alors, et des dons, il y en a. Il y en a plein. Déjà, il y a Snake qui a envoyé 10 balles en disant « Ouais bon, lâchez-moi maintenant !» On a le t-shirt Spidon qui a donné 10€ avec en mention « Achetez-moi !» Achetez ! Achetez ! Il y a Speedy Gonzalez qui a donné 100€. Allez ! On a également... Oh là là, Lying True qui donne 50€ en disant « Metal Gear ?» C'est pas possible. 150€ de la part de Snoodim qui dit « Toujours un plaisir d'assister à cet événement caritatif. Un grand bravo à l'orga, aux runners, ambianceurs, commentateurs, à tout ce monde que l'on ne voit pas, plus petit que 3. » 10€ de la part de Anonyme qui a fait « Ouais, 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 tu veux qu'on se tire l'oreille ?»
On a 10 euros de la part de Dédalus qui fait « Vous avez Metal Gear Solid ?» C'est en français. Ah, on a une mise à jour parce que Patate Picard qui a redonné 25 euros et qui a donné des nouvelles en mode la pizza a été dûment ingurgitée en préparation de la run de Pizza Tower. En avance, du coup. Ready pour toute la nuit, bourrer les dents, donner de l'amour et de la thune. Merci beaucoup. Alors, 20 euros de la part de Chaton Cynique qui dit « Je connais pas, mais apparemment, ça fait plaisir aux gens. » Alors, on bourre les dents pour la version FR de Metal Gear et pour Médecins du Monde, surtout, bien sûr, plus petit que 3. Ah ouais, attention, François Fillon a donné 1 euro en disant « Toute cette générosité me pousse finalement à rendre l'argent. » C'est bien déduit des impôts. Merci Spidon de m'apprendre d'où vient ce son d'alerte. Bravo Médecins du Monde, bravo MV, bravo les runners. 50 balles de la part de 3 points d'exclamation. Et 50 euros de la part de Tonton Nono qui dit « Don du soir, lâchez rien, bourrez les dons. » Formidable, on va vous repasser la main à bientôt. Mais on a une petite interlude, donc là c'est le retour. C'est ça. Le retour pour mettre la palquille dans l'ordinateur dédié, l'ordinateur bleu, hein, me semble, du coup. Ça serait un petit peu logique. Quand même, même séquence avec le petit shuffle en sortie pour éviter los embrouillos. Hein, vous voyez les armes à droite qui changent. Alors, ouais, on peut expliquer un peu pourquoi on fait ça d'ailleurs. Oui. Dans le scénario, on est censé activer les trois ordinateurs parce que c'est comme ça qu'on a appris qu'on pouvait désactiver le lancement de l'ogive nucléaire par le Metal Gear, hein, donc c'est pour ça qu'on fait tout ça. Et là, ouais, donc direction Fournaise, et ça va être assez intéressant, même si, bon, évidemment, on va encore faire l'aller-retour, donc on pourra refaire une passe sur les dons, mais dans la Fournaise, en fait, il y a une situation assez rigolote, c'est qu'en contrebas, entre guillemets, il y a des munitions de Stinger, il y a des trucs importants à récupérer, mais le problème, c'est que si on suivait la route normale, entre guillemets, casuelle, on devrait sortir de la salle. Et sortir de la salle, comme je vous l'ai dit, c'est problématique parce qu'on n'a pas envie de perdre du temps sur ce timer de réchauffement. Mais comme on vous l'a dit, le GMI 2 nous permet de passer out of bounds et aussi de désactiver des triggers et des hitbox. Et donc, vous allez voir que... les ascenseurs et la lave, c'est de l'eau. Oui, bah la lave, on dirait du fromage, moi, je trouve. Oui, un petit peu, c'est vrai. On va voir ça va être assez drôle. En fait, on profite du temps des 61 secondes, où justement, comme tu l'as précisé, pour récupérer des munitions, on optimise vraiment notre temps. Hein. C'est vrai que l'optimisation, elle est assez cool, parce que ça nous permet de le faire sans sortir de la pièce. Donc, là où ça devrait être un temps mort, il se passe quand même des trucs. Et ensuite, ouais, quand on refera le chemin retour, on fera encore une petite passe. Et rebonjour. Bonjour. Ah, il est de retour. Ça y est, détendu là, t'es dedans. Tranquille, ouais, là. Plus détendu. C'est comme à la maison. Ouais, sauf le Hein, c'est pas comme à la maison. Non. Ah oui, ouais. au dernier coup, c'était frustrant, j'imagine, mais tout se passe bien. À part pour le reste, la run est plutôt cool, plutôt bien. Ouais. Impeccable. Wolf cool, j'avoue. C'était très très bien. La palki, tu t'en es content? C'est une RNG moyenne. Ouais. Non, mais c'est pas mal pour un marin. Ouais, au final, ça pourrait être bien, bien pire. Donc, c'était 3e, 4e spot sur les 7. C'était la palki 4. 6, 5, 4, 3. Ouais, 3. Donc, palki 3, 3 avec la bombe. Donc, Et la bombe, ouais, ça c'est un peu ballot. Comme on dit. Mais on est sur une run. On est sur un run marathon, voilà. Voilà, et puis elle est assez propre hein, quand même. Hein. Carrément. Oui, à part le Hind, bon, j'ai raté le cutscene skip sur le Ninja, mais bon, ça c'est... C'est des strates extrêmement compliquées. Hein. Mais à part le Hind et un peu Mantis, au final, la run est plutôt correcte. Tout à fait. D'autant plus qu'on peut signaler que, entre guillemets, justement, le fait de mettre le jeu en français, c'était pas sûr, finalement, on a trouvé une petite astuce. Mais du coup, le timing qui changeait dans le run, c'était justement celui du ninja de Grey Fox. Alors, pour le coup, c'est pas ça qui m'a empêché de faire la strat, c'est vraiment... J'essayais de te trouver une excuse, non, mais c'est toi qui vois. Mais... Je préfère être honnête. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai que les voix françaises, pour le runner, ça change tous les timings et ça lui demande de s'adapter, hein, clairement. Et on va arriver à la fonderie. Yes. C'est parti, donc 61 secondes ici pour réchauffer à Palki, mais du coup, il y a des trucs à prendre. Donc ascenseur vers le haut, ok, jusqu'ici rien de trop choquant. Bah, c'est pour aller faire son GMI. Hein. Et oui, voilà. Bah, il faut décharger la salle et la recharger. Ouais. Ok. Pour décharger les murs. Olé, qu'est-ce qui se passe? Très bien. Invincible, bien sûr. Ah, d'accord. Le fromage. C'était gratuit, mais ça fait plaisir. Ah oui, c'est pour le show. Ce monde est cruel. Hein. Et voilà, et du coup, bah, chillax pendant 61 secondes. Setup encore avec. Voilà, on se met à une position idéale devant cette porte. Et comme ça, dès que ça sera bon, on s'accroupira, on sortira.
pour valider le dernier ordi. Si jamais vous avez quelques dons, vous pouvez y aller. 25 euros de la part de Note qui dit « Même chaude, la Palki sera toujours moins chaude que le public, pas vrai ?» 50 euros également de la part de Doc Chodan qui dit « Je fais ruisseler mon SMIC, quel beau pays, bisous plus petit que 3. » Et Relvino qui nous donne 100 balles en disant « GG au runner, merci à tous pour cet event de qualité, des runs de folie comme toujours, kaku kaku. » 100 balles de la part de BBS Mentos, voilà, pas de commentaire. Vat the don, 100 balles de anonyme, décidément on ne l'arrête plus, pour l'accès aux soins à tous, 100 balles de Itizemi, bon le salaire est tombé aujourd'hui, je mangerai un peu plus de pâtes ce mois-ci, mais ça les vaut, merci MB pour cet événement. 50 euros encore de la part de anonyme qui dit merci aux bénévoles, aux organisateurs, aux runners pour ce week-end, c'est un bonheur. 100 balles de Metal Gear, J-I-R-E bien évidemment, MGS le jeu du cœur, big up à tous les participants et bonjour à la team Nick qui se lève. Et 100 euros de June qui dit « J'ai signé mon premier CDI cette année, donc j'aboule mes 100 balles, plus petit que 3. » Et on a plein de dons de la part de Blobster, 100 euros, anonyme, 100 balles, 100 balles de Kikinom, 100 balles de Rulio, 100 balles de Evendus, décidément les 100 balles pleuvent. Merci à vous, bravo, bravo. Et on a également 25 euros de la part de Spatoul qui dit « Ouais, chemist sur Dark Souls 3 !» Et ouais, ça arrive fort. Et d'ailleurs, un spoil de la part d'un don de 10 euros de Robichou qui dit « N'oubliez pas de souhaiter un joyeux anniversaire à notre chemiste préféré quand il revient sur scène. Gros bisous à la salle. » Ouh là là. 100 euros de la part de Calfi qui dit « Bravo à tous pour cet event. Dédicace à Eloane et Loïc dans le public. » 25 balles de la part de Taibekou. Petit soutien à tant de générosité et gros big up à H1 et MV. Et enfin, 200 euros de Azuric qui fait « Merci beaucoup, magnifique. Oui, j'ai vu que ça passait en bas. Hein. 10 000 balles pour débloquer un run de Dark Souls 3 encore plus dur. Et encore plus de chemistes et sortants. Oui, bourrez les dons pour le défi Dark Souls 3. Bourrez. Ainsi que Kingdom Hearts. Mais Kingdom Hearts, j'ai vu que c'est très actif. Donc ça se trouve, c'est déjà fait. Mais allez-y, en tout cas. Et eh bien, ma foi, ça y est, hein, nous arrivons vers cette fin de run, enfin. C'est ça, on va attaquer un petit peu un boss rush. Hein. Voilà, les Palki, c'est fait. On va aller activer la dernière Palki, hein, du coup. Donc on va empêcher le lancement nucléaire. Mais dans le scénario, en fait, c'est pas vrai. On va plutôt le déclencher. Donc en fait, on apprend à ce moment-là du jeu que Snake s'est tout simplement fait manipuler de bout en bout. C'est un prank. On s'est fait pranker totalement, en effet. Nous avons déclenché ce que nous devions arrêter. Pire que ça, hein, vu qu'on va être pris au piège. Alors, petite précision, les échelles ici, c'est extrêmement précis pour les prendre. Ça peut arriver qu'on donne un coup de poing plutôt que de... J'ai souvent vu Pazzo râler là-dessus. Mais ouais, les échelles, c'est très précis, hein, faut pas croire. Donc là, on va activer la dernière Palki. Il faut savoir qu'en fait, on va se faire enfermer dans la salle de contrôle. Et on va devoir... Dans la salle de contrôle ou pas? Ça dépend si je fais le glitch, si j'y arrive. Ah. C'est bon, ce sera enfermé dehors. Je savais pas. Enfermé dehors. Et pas très bien. Cardbox. Alors, on a quand même. Il va devoir quand même appeler Otacon pour déclencher, pour ouvrir la salle. Ah, j'avais pas vu cette variation. Bah, moi non plus, je suis un peu surpris. C'est un petit truc marrant. Et là, normalement, si tout va bien, je vais passer à travers, sous le bureau, là, à travers le mur. Hop. Comment ça? Et bien, très bien. Et là, on va attaquer un boss qui est le Metal Gear. Hein. Et il faut savoir que le Metal Gear, on va passer en GMI hein, pour ne pas se faire toucher. Et il faut qu'on touche son antenne radar grâce au Stinger. Ça. Comme d'habitude, on respecte les frames d'invulnérabilité. On est sur un timing précis. Et on va attaquer la phase 2. Donc là, on a tout un long monologue de la part de Greg. Ah, le petit glitch marrant. En fait, là, ça vous permet de voir comment fonctionne le jeu, en fait, quand vous êtes en vue subjective ou vous regardez. C'est le modèle de Snake, voilà, qui tout simplement se déplace de telle manière. Très beau modèle. Hein. Ça taffe dur. Les backstage. Et la phase 2. Donc là, vu que le radar a été détruit, bah on est obligé d'ouvrir le cockpit, hein, donc là où se trouve l'hybride. Donc on va pareil l'infiniser grâce au Stinger. Et c'est déjà la fin du combat. Et je pense qu'on va demander un petit peu de silence et on va un peu se taire aussi. Ah oui.
Parce qu'on arrive à l'écoute. Alors, je vous demande du silence pour l'instant. Oui. On va tenter une strat ultra compliquée, qui est l'Infinite Punch. On reviendra après. Il y a plusieurs setups, mais là, on va tester le plus risqué, le plus rapide. Mais c'est vraiment timing très précis. Avant la fin. Dépasse cette limite et tu tombes. Et à cette hauteur, c'est la fin. Même pour toi. Snake, en garde! Allez. Dommage. Mais il a quand même réussi une bonne partie. Oui. Voilà. Alors oui, l'Infinite Punch Combo, comme on l'appelle, hein, on est censé infiniser Liquid. C'est un timing très précis. Hein, donc Pazzo a besoin du son et on a à peu près genre 2 frames pour mettre 2 coups de poing. Donc c'est pas étonnant qu'il ait un petit peu... C'était un petit peu compliqué, mais il a vraiment bien réussi quand même. Donc là, on arrive à la phase d'escape. Hein. Donc on va s'échapper de la base avec Otacon. Avec Otacon, ouais, tout à fait. Comment dire, scène iconique. Qui est un auto-scroller, mais sans l'être au final. Parce que finalement, si on exécute bien, on va plus vite que la musique. En réalité, on a juste de temps en temps des phases de transition. Mais il faut quand même, c'est quand même notre efficacité qui va définir combien de temps ça dure. Hein. Donc on a 2 points de contrôle à passer. Et en fait, il faut savoir que la Pazzo place la mitrailleuse très précisément pour shooter ces 2 barils ici, hein, afin de dégager le passage très rapidement. Et le 2e point de passage, en fait, il va tuer le garde de gauche en premier, puis celui de droite, car celui-là du milieu, il a 5% de chance de nous toucher, parce qu'il tire extrêmement mal. C'est un Stormtrooper. Ah, parce que quand on se fait toucher, ben voilà, on a eu l'exemple parfait. Vous avez cette animation qui vous fait perdre 2 secondes. Bah là, il l'a touché malheureusement. Exactement. En fait, et là, on va... Ne pas se faire toucher, c'est une fois sur 50 ou une fois sur 100, vraiment. Ah oui. C'est très rare. Alors là, en fait, c'est pas un autoscroller, il y a une barre de vie, mais elle est cachée. On la voit pas. C'est ça. Donc là, on va anticiper ses déplacements, afin de, comme a précisé Pazzo. Comment ça? La Real? Le jeu? Allô? Piu, piu, piu. Voilà. Nickel. On est là. Donc il va anticiper ses mouvements afin de vider la barre de vie qu'on ne voit pas. Oh. Ah, la petite touche, ouais. Alors en sachant que quand même, oui, ces techniques, hein, ceux qui l'ont fait à l'époque se souviennent, c'est maniabilité un peu tendue avec tout ce mouvement qu'il y a, et puis Liquid a une hitbox qui peut être parfois un peu capricieuse. Hein, donc on fait au mieux, mais pas évident. Et on va pas tarder à arriver à la fin du jeu. Et alors, le time sera dans environ 25 secondes. Le time, il se fera quand le tableau des scores apparaîtra à l'écran après. Ouais, parce que cette version nous permet de skipper l'intégralité des cutscenes et même les crédits. Attention. Passionnant. Allez. Time. Allez. Magnifique. Bravo. Ben oui. Maren, j'ai eu pas mal d'erreurs, mais je suis quand même content d'avoir fait ce temps-là. C'est très très propre de faire un sub 58. Non, c'est super propre. Magnifique. Et puis en plus, on l'a pas dit, mais il y avait le stress de la manette qui se déconnectait. J'ai pas eu de manette qui se déconnecte. Je suis trop content, rien que ça. Bah oui, c'est ça. On avait genre 6 manettes avec nous. 6 manettes, 6 câbles, et en sachant qu'évidemment c'est une vieille édition. Si la manette se déconnecte, bon bah c'est tout un merde. En tout cas, un bordel. Quoi. En tout cas, vous pouvez l'applaudir parce que Pazzo, c'est sa première scène IRL. Recordman du monde, on le rappelle. Très belle prestation. Voilà.
C'est un honneur d'avoir vu Metal Gear Solid à Speedon quand même. Et premier Metal Gear Solid de Speedon en effet. Exactement. On a commencé de bien belle manière. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, Pazzo ? Un petit mot rapidement, juste passer une petite, un petit coucou à la communauté MGSR, MetalGearSpeedrunners.com. Vous pourrez trouver tous les tutoriels si vous voulez commencer à runner le jeu. La communauté Lime City, la communauté Boxhound. Et un gros merci à tous ceux qui me suivent et qui m'ont aidé à faire mon submit et à préparer cette run, dont en particulier H1. Qui m'a beaucoup, qui m'a déjà poussé à postuler, qui m'a beaucoup aidé sur la run. Et puis un gros bisou à ma femme et à mon fils qui doit être en train de se coucher à cette heure-ci. Bravo. Et merci à Chin, c'était très sympa ouais, également. C'était sympa, ouais. Très content. Hein. Super moment, j'espère que vous avez kiffé. Bourrer les dons, notamment pour Dark Souls 3, Kingdom Hearts 2. Et à bientôt, à très vite, à vous, l'ambiance sage. C'était super. Bisous. Merci.